Bien, bonjour tout le monde, j'ai été smart nominé par mon ami Pascal Bélanger. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça s'en venait, et c'est là. Ce que j'ai décidé de faire comme bonne action, en fait, c'est deux choses. J'ai décidé de faire un don à la fondation de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, et de vous parler un peu de cette maladie-là. Moi, j'ai perdu quelqu'un il y a plusieurs années. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo là, dans cette vidéo-là. C'est quelqu'un qui s'appelait Daniel Pelletier, qui était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup. Puis sur la photo, vous pouvez voir qu'il tient dans ses bras mon fils, qui à l'époque était flambant neuf. Et ce grand garçon-là a maintenant 14 ans. Et on peut voir sur la photo que Daniel tient Jacob et que sa main gauche ne serre pas. Elle est comme molle. Et Daniel n'avait pas eu encore à l'époque, je crois, le mot des médecins pour savoir exactement qu'est-ce qu'il avait, le diagnostic. Mais il savait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi la SLA me touche autant, c'est que moi je passe mes journées à inciter les gens qui ne bougent pas à devenir actifs. Et lorsqu'on a la sclérose latérale amyotrophique, on perd la capacité de bouger. C'est donc quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi qui essaie de faire bouger les gens qui se ramassent avec cette maladie-là, qui est fulgurante et qui peut être vraiment, qui frappe, qui arrive en totale surprise et qui nous enlève la vie rapidement parce qu'on peut perdre très rapidement les facultés de mouvement. Ça commence souvent par les mains, les bras, les jambes, mais jusqu'à la mort malheureusement. Et moi, je passe mon temps à motiver les gens qui ne bougent pas à bouger. Et ça me touche beaucoup de voir des gens qui voudraient, eux, bouger et qui n'en ont plus la capacité et qui en ont à chaque jour un peu moins la capacité. Donc, vous voyez sur cette magnifique photo, mon fils est là aussi. J'ai mis une photo en plus grand parce que c'est ironique, mais à l'époque, Daniel commençait à perdre la motricité alors que mon fils, qui était tout petit, lui, commençait à apprendre c'est quoi la motricité. Et est maintenant un beau grand jeune homme de 14 ans qui fait du patinage de vitesse, qui est en forme et qui se sert pleinement du fait qu'il peut bouger. Donc j'avais utilisé cette smart nomination pour faire un don de 50$ à la fondation de la SLA. Et je dois maintenant smart nominer 3 personnes. Et j'ai choisi, je suis allé un peu au hasard, mais j'avais le goût de peut-être prendre des gens qui s'y attendent pas tant que ça. Donc j'ai choisi Claudia Baudin, qui est une amie, Cindy Savard, qui est ma cousine, et Karine Champagne, qui est une nouvelle amie de la dernière année, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et donc, Karine, je te lance ce défi-là aussi. Tu es maintenant smart nominé. Vous avez donc jusqu'à, je crois que c'est 24 ou 48 heures maximum, idéalement, pour faire votre bonne action. Et smart nominé, 3 personnes. Donc, ma smart nomination à Claudia Baudin, Karine Champagne et Cindy Savard. Et dans mon cas, je vais faire un don de 50$ pour la sclérose latérale amyotrophique. Bonne fin de journée. Bye.